Armel Léon Bunda Balonzi et son ministre délégué ont embarqué à bord des bus Sogatra, Trans, Akanda et Transurb. Objectif, s'enquérir des conditions de transport des populations du Grand Libreville en confinement, mais surtout de la gratuité et du respect strict des mesures barrières en cette période de pandémie de Covid-19 qui touche le Gabon. Donc nous faisons un tour pour constater ce qui se fait, pour recueillir le sentiment des populations à l'effet de corriger ce qui doit l'être pour le moment. La gratuité de transport dans les compagnies publiques à hauteur de 6 milliards de francs CFA décidée par Ali Bongo Ondimba fait aujourd'hui le bonheur des riverains. Pour moi, ça fait la deuxième fois que j'en avais pris la semaine passée à Ovendo. J'avais pris la semaine passée, sinon c'était bien, c'est gratuit. On m'a laissé jusqu'à destination là où je suis en train de partir. Parce que la perfection n'est pas de ce monde, Armel Léon Bunda Balonzi pense pouvoir améliorer davantage ses conditions de transport. Je veux mettre en place une cellule pour faire tout ce qui est statistique. Et nous aurons chaque soir le nombre d'usagers que nous avons transportés, les premiers que nous avons rencontrés. Donc, en somme, nous allons rendre compte régulièrement aux autorités de notre mission qui nous a été confiée. Il est donc prévu un déploiement en trois phases du parc de 185 bus repartis entre les quatre communes du Grand Libreville. Sont prioritairement concernés les agents qui continueront à exercer dans les services essentiels du secteur public et du secteur privé.